Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un atelier de composition, improvisation, composition. On va travailler sur deux verbes, les verbes bloquer et empêcher. Et nous allons travailler avec Yann, Zoé, Jihoun et Valentino. Dans un premier temps, déjà on essaye. C'est un atelier qu'on peut faire, on va le faire par deux, mais on peut même faire par quatre, on fera à la fin. On essaye juste ça, une action qui est d'amorcer un mouvement et l'autre qui bloque. On sort de ce blocage et c'est l'autre qui propose un mouvement que l'on bloque. On essaye pour voir? Allez. On propose une action, on bloque. On s'échappe de cette action, l'autre propose une action, on bloque. On s'échappe de cette action. On propose une action, on bloque. On s'échappe de cette action. Ok, ça c'était la première partie. Maintenant, on va essayer de mettre ça sous le coup de la colère, c'est-à-dire essayer d'avoir une réaction. Si on bloque, ça peut être d'un regard, ça peut être d'un geste un peu plus rapide pour pouvoir enlever le blocage. On essaye de voir comment on peut moduler avec cette forme de je suis pas d'accord. On réessaye? Là encore, on peut aller rapidement, mais on peut aussi ralentir et proposer un blocage tout tranquille, juste bien affirmé. Toujours une réaction. Qu'est-ce que ça fait d'être empêché, d'être bloqué? Ok, super. Maintenant, je propose qu'on essaye en musique. Et que l'on fasse ça à 3, à 4, le nombre que l'on veut. Attention, plus on est nombreux, plus il faut savoir écouter, mais on garde ces mêmes idées, bloquer, empêcher, réagir. En musique, s'il vous plaît. Et vous pouvez commencer par 2, puis par 4, vous joindre. Voilà, c'est à vous d'essayer. Une colère tout en douceur, tout en respect de l'autre, pas de blessure, tout en tranquillité, mais une bonne colère. Merci et bravo.